À l'encontre au cours des 48 heures qui viennent de tenir, assassiné sur ordre de Bourguiba à Francfort en 71, de la crise avec Ben Youssef, Bourguiba va tirer une leçon. Il ne faut pas que la Tunisie revienne au spectre de l'anarchie, du tribalisme, du régionalisme, au djinn de la division, vous savez, comme dans le milieu de nuit. Oui, pour Bourguiba, il y avait ce qu'il appelait un mal tunisien. Le mal tunisien, c'est celui que vous avez évoqué, l'anarchie, l'esprit clanique, tribal. Et pour lui, bien sûr, l'adversaire politique, Ben Youssef, était l'incarnation de ce mal tunisien. Et nous pouvons dire que les sources de l'autoritarisme tunisien viennent de cette opposition entre Bourguiba et Ben Youssef. Bourguiba et Ben Youssef se sont opposés politiquement, mais je dirais également par la violence. Le parti du Nio Destour, ses gros bras, ont joué un rôle très important durant l'année 55 et le début de l'année 56. Et ensuite, avec l'indépendance, Bourguiba a mis en place une haute cour de justice qui a condamné tous les opposants politiques, à commencer par Ben Youssef, par contumace. Et on comprend que Ben Youssef ait pris la fuite. Il a pris la fuite, permettez-moi d'ajouter, c'est en 61 qu'il a été assassiné à Paris. Oui, là j'ai dit 71, pardonnez-moi, c'est 61, oui, autoritarisme.